Cette signature à plusieurs mains est le résultat d'un consensus général. Un accord total entre l'État, les collectivités et les professionnels de la conchyliculture méditerranéenne. Un contrat de filière pour développer et pérenniser les entreprises de ce secteur d'activité. On croit dans l'avenir de cette profession. Et donc c'est une démarche donc, d'abord très positive, puisque donc, le message que l'on envoie à tous, c'est regardez cette profession, donc, on y vit bien, cette profession elle a un avenir et cette profession elle peut attirer des jeunes. Et pour ça, on y met des moyens. Élaboré pour répondre aux problématiques et aux besoins des conchyliculteurs, le contrat de filière recense 105 actions à mettre en œuvre. Depuis le développement d'une écloserie locale jusqu'à la formation et la transmission d'entreprises. C'est l'espoir de pouvoir trouver des solutions pour sécuriser nos productions. Les sécuriser des aléas, les sécuriser d'un point de vue économique, sécuriser leur trésorerie et leurs entreprises pour continuer à avoir à la fois une filière qui soit économiquement rentable et une filière qui soit aussi attractive pour renouveler les générations. L'Occitanie compte aujourd'hui 530 producteurs. 140 d'entre eux seront accompagnés pour un total de 8 millions d'euros. Mais au-delà des aides financières, la profession compte surtout promouvoir un produit original et unique. On a un coquillage de qualité qui bénéficie beaucoup d'apports nutritifs parce qu'on a un environnement riche et de qualité. Donc on a un coquillage qui a une chair ferme, croquante, avec beaucoup de saveur et qui mérite d'être connu sur un point de vue national. La production de coquillages en Méditerranée représente 10% de la production nationale. Le contrat de filière court jusqu'en 2023.